Bon, désolée pour ma tête. On vient de déposer les enfants et j'ai demandé à Mister de m'amener à la boulangerie à laquelle j'avais mangé une pizza il y a 2 jours. Elle était trop trop bonne. Du coup, j'y retourne. J'espère qu'ils ont les mêmes pizzas. T'en veux une? Tu vas me la manger comme la dernière fois. Tu goûtes pas. En train de travailler un petit peu sur l'ordi. Je vous ai mis une story d'ailleurs qui vous a pas mal choqué concernant le linge. Là, on n'est pas en retard de linge. Là, le mot n'existe même plus. Bon, je précise quand même que pour notre défense, on est obligé d'aller à la laverie pour faire des machines. Parce que là, on a une mini machine. Ouais. Il faudrait faire 2 machines par jour. Je te jure. C'est trop. Ouais, donc on va à la laverie et au moins on fait un lavage, séchage, c'est rapide. Sauf que faudrait qu'on se dise que, ouais, une fois toutes les 2 semaines, non. Non, en vrai, faudrait faire une fois par semaine. Une fois par semaine, ça serait parfait, hein. Ouais. Mais en vrai, tu sais quoi? Ouais. Faudrait qu'on fasse. T'as vu le sac là derrière toi? Oui. Une fois qu'il est rempli, on va le faire. Ouais, t'as raison. Mais le problème, c'est qu'on est en haut et en bas. Ouais, et on descend tout ce qu'il y a. Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Genre, on réunit le linge à chaque fois. Ça y est. Ouais, comme ça, on va faire une grosse machine et puis on... Je me suis maquillée du coup, entre temps. Et là, on y va. Y'a pas de sans contact? Est-ce que c'est une blague? C'est pas possible. Bon. Une fois arrivé ici, on se rend compte que la machine ne prend pas le sans contact. Et comme ce monsieur a changé d'étui de téléphone, et de téléphone d'ailleurs... C'est à cause de toi. C'est elle, là, elle me dit, regardez, elle me dit, oui, ça c'est plus esthétique. Mais c'est vrai que c'est plus esthétique, oui, ça. Oui, c'est mieux que les étuis. Mais là, moi, j'aime bien les vieux étuis à l'ancienne qui font porte-monnaie et tout. Ouais. J'ai tout dedans. Du coup, on n'a jamais de carte sur nous. Et moi, j'ai toujours le sans contact, enfin, le Apple Pay. Et enfin, tout le monde a Apple Pay, normalement. Et franchement, cet endroit-là, c'est hyper récent, c'est bien fait, c'est... Et je pensais que la dernière fois que j'étais venue, j'avais payé avec le sans contact, puisque je paye toujours avec le sans contact. Sauf qu'en fait, non, tu peux que insérer ta carte. Du coup, on se retrouve ici, comme... Je me demande si on ne devrait pas faire une énorme machine. Ah ouais? Bah, vas-y. Pourquoi pas? Plutôt que 2 petites. Ouais. Parce que là, c'est pas le séchage. Et le séchage, on le divise entre les 2 grandes. Non? On fait ça? Allez. Ah, mais t'as mis les billes dedans. C'est pas grave, je vais les ramasser une à une. Bah vas-y, t'as ça, on n'a rien à faire. Du coup, ouais, vas-y. Du coup, j'ai appelé mon frère pour qu'il nous ramène de l'argent. Regarde, ça a l'air d'être assez long. Hein. Bah écoute, on va essayer. Hein. Attends, on va pas essayer. Bah, c'est... Oui, on va le mettre, parce qu'il faut juste pas que ce soit trop rempli, parce que sinon ça lave mal. Bon, bah allez, on va tout déplacer. Hein. Juste de sortir de chez Grand Frais et j'étais en train de vous demander sur Instagram quelle est la meilleure viande pour faire un couscous. Et Mister il m'a dit, mais là t'as déclenché une guerre, parce qu'en fait j'ai dit, et je vous jure j'ai pas fait exprès, je demande, j'ai envie de faire un couscous marocain, est-ce que les Algériennes et les Marocaines peuvent me donner la meilleure partie de viande exacte pour que je puisse faire un couscous, parce que vos couscous sont similaires. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte,
Déjà qu'on sait même pas d'où ça vient le couscous. Les copines, vous savez pas vous vexer, vous savez qu'ici il y a pas de Tunisie machin, Algérie machin, on est d'accord. Les Algériennes, parce que c'est vous qui vous vexez en général le plus. On est d'accord qu'ici. Bon, tu sais quoi, Vas, je vais dire un truc. Vas-y. Peut-être. Dis-moi. Les gens ils vont dire que je suis un vendu ou je sais pas quoi, mais pour moi, ouais. Genre moi, ouais. Moi, oui. Moi-même. Ça n'engage que toi. C'est ça. Le meilleur couscous que j'ai mangé, ça reste le couscous que t'as fait toi. Le Tunisien ? Oui. C'est vrai. Tu vois, quand, avec. Parce que moi j'aime bien quand c'est hal. Ouais. Et quand il y a un peu de sucré, donc les raisins secs. Tu sais, c'est bizarre, j'aime bien mélanger le sucré et le salé. C'est vrai que chez tes parents, quand ta mère elle faisait couscous, ben, t'avais tendance à me dire voilà. On mange dehors ou il faut que je me prenne un truc à manger. Parce que, ouais, c'est vrai. Parce que moi j'aime bien. Mais après je pense que c'est pas objectif puisque toute ta vie t'as mangé le couscous marocain. Et en général, quand on mange toute notre vie un certain aliment, ben, il a beau être très très bon, ben, malheureusement on s'en lasse et on s'en rend compte que c'est bon. Qu'uniquement au moment où on quitte le foyer familial. Après quelques mois, quelques années, tu te dis putain, j'étais vraiment bien quand même. C'est vrai que là tu vas faire un couscous plutôt marocain. Plus ouais. Marocain. C'est pour célébrer la victoire du Maroc. D'ailleurs, la Tunisie a gagné hier, mais malheureusement ils ont quand même été disqualifiés. Mais c'est pas grave, ils ont quand même gagné le match. Contre la France, quand même. Tu pars quand même d'un couscous. Ouais, là, un match. Non, mais je parle. Les filles, maintenant que la Tunisie est éliminée, les Tunisiennes, est-ce que vous êtes pour le Maroc, oui ou pas? Oui, oui ou non? Normalement, oui, tout le monde est. Enfin, le Maghreb, ça reste le Maghreb. Je veux savoir quand même. Parce que c'est vrai c'est logique. Celles qui sont franco-tunisiennes. Mais au-delà de ça. Est-ce qu'elles seraient pas plus pour la France que pour le Maroc? Tous les Africains, normalement, sont pour le Maroc. Ouais, c'est parce vrai. Parce que. En fait, tous les Africains. À part s'il y a des pays, moi, je vous avoue, pays d'Afrique qui se sont passés, mais normalement, ouais. Quand t'as aucun pays qui passe, il y en a qu'un seul, on est tous derrière lui. C'est vrai, c'est logique. Moi, je vous dis, je suis pour trois équipes. Oui, qui ont été sélectionnées. Y avait le Maroc. Au début, j'étais pour la Tunisie parce que ça va de soi, je suis d'origine tunisienne. Puis la Tunisie a quitté le championnat, ils ont été disqualifiés. Du coup, je suis pour le Maroc, mais je suis aussi pour la France. Ah, moi aussi. Ouais. Moi, je suis pour le Maroc et la France. Ouais. Moi, le top du top, ce serait qu'il y ait le Maroc et la France en finale. Ah, ça serait fou. Ça serait fou. Et qu'il y en ait une des deux qui gagne. Mais tu sais, et franchement, on s'y attendait pas. Mais les Marocains. Et ils sont forts. J'ai pas compris. Hein. Ouais. J'ai pas compris. Ouais. Mais. Franchement, ils sont forts. Ils ont fait des matchs jusque-là. Mais pour moi, que ce soit le Maroc, le Maroc ou la France qui gagne, ça serait parfait. Ils dominaient de fou. La Belgique, le deuxième. La deuxième équipe la plus forte selon FIFA. Par contre, ils sont classés deuxième. Si le Maroc il gagne la coupe, ça serait vraiment un truc. Ouais, de bon, on va pas trop loin non plus. Oui, on va pas trop loin. C'est vrai qu'on va vraiment loin. Mais genre, ça serait vraiment mais un truc. Mais franchement, incroyable. Ça m'étonnerait pas qu'ils dépassent. Enfin, qu'ils arrivent. En quart de finale. En quart de finale, qu'ils dépassent la huitième de finale. Ça m'étonnerait pas, hein, vraiment. Après à voir. Mais franchement, ils sont bien partis. Non, mais. On arrête de parler de tout ça là. Oh là là, on va déclarer une guerre dans les commentaires. Quoi? Parce qu'entre le couscous algérien marocain, c'est le même. L'autre qui dit le meilleur couscous, c'est le tunisien. Ben oui, ben pour moi. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est vrai. Non, mais sachez que ici, les filles, pour celles qui nous connaissent vraiment, déjà, on est un couple mixte. Donc forcément, vous savez qu'on n'a aucune once de nationalité en nous. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment. Les gens qui sont respectueux, sympas, et puis voilà, c'est tout. Le reste, franchement, un peu nous importe. La nationalité, la religion, c'est pas du tout nos critères. Voilà. Moi, allez, le Maroc. Allez, on va chercher les gosses. You rattled my cage without warning. Kept it upright till the morning. A new kind of ecstasy. You found a different side of me. The one I'd like to be. A different side of me, yeah. On est rentré, Mister s'occupe des enfants, enfin les occupe un petit peu et moi je suis en train de faire à manger. Il m'a déjà un petit peu aidé à couper les légumes et moi je vais faire la cuisson. Je vous ai demandé quelle viande vous m'avez conseillé en majorité.
le jarret d'agneau. Là, j'ai mes petits légumes. Ma tomate mixée, mes oignons. Pour les légumes, j'ai mis un peu, voilà, ça. Et puis voilà, je vais faire cuire ça là-dedans pour que ça cuit plus rapidement. Stop signs, counting down till we take flight. It's how you make me feel. Yeah, yeah. Let's call in sick and be lazy. I'm all for doing what's crazy. Cause you make it real, yeah. Oh, on a mangé, ça faisait des semaines que j'en rêvais de ce couscous. Mais là j'ai envie de vomir. Je sais pas pourquoi en ce moment j'arrive pas à manger. J'ai vraiment plus d'appétit. Et quand je me force, entre guillemets, minimum, parce que j'apprécie ce que je mange, en fait je me force. Vous voyez quoi, j'ai pas spécialement faim au niveau de l'estomac, mais vraiment ce que je mange, ça me plaît. Et bien j'ai tout de suite envie de vomir alors que j'ai pas mangé de ouf. Je précise que ce midi j'étais bien mangé. Et ce soir, ben écoutez, ça va, j'ai un petit peu mangé, mais ça me reste sur l'estomac. Et clôturer le vlog. Je vais me démaquiller, je vais vous montrer ce que j'utilise pour me démaquiller. Hop, j'utilise le Bye Bye Makeup de chez It Cosmetics, vraiment, ça c'est une marque pépite. D'ailleurs, j'ai un code promo, je vous mets en barre d'information sur tout le site. Je crois que vous avez moins 20%. Et leur marque, enfin, c'est incroyable. C'est des produits qui ont été créés par une personne qui avait des problèmes de rosacée. Voilà, c'est des problèmes de peau. Et qui malheureusement peuvent faire complexer beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie, malheureusement. Et du coup, cette personne-là, donc la créatrice de la marque, elle a créé des produits pour apaiser un petit peu les rosacées, etc. Et du moins, ne pas les aggraver. Tous les problèmes de peau en général, tous les problèmes de peau... oh merde, j'ai oublié d'enlever mes poussières. Tous les problèmes de peau en général, et ce qui fait que tout est... bourré de soins, que ce soit en maquillage, même le crayon à sourcils est infusé de soins. Donc tout est là pour embellir votre peau, tout en apportant un petit côté soin qui est vraiment pas négligeable du tout, parce que vraiment cette marque pense, pense aux personnes qui ont des problèmes de peau. Et en général, ces personnes-là, malheureusement, quand elles se maquillent pour essayer de camoufler les imperfections qui les dérogent, etc., elles se retrouvent avec leurs boutons, etc., amplifiés. Parce que les produits qu'elles vont mettre sur leur visage, forcément, il va étouffer la peau. Enfin, voilà, c'est pas du tout fait pour faire du bien à la peau. Et quand ces personnes se démaquillent, malheureusement, elles ont souvent des surprises. Donc cette marque, elle a été 100% pensée pour eux. Et j'adore recevoir leur beauté. Et ça, c'est la dernière que j'ai reçue. C'est trop mignon, dans une petite boîte avec des petites pinces en papillon, avec un petit truc pour dormir. Je crois qu'il est là en plus. Il est là. Des petites lunettes en satin, là, comme ça, pour dormir. C'est trop beau, trop mignon. Enfin, leurs colis, ils sont toujours très très bien faits. Donc voilà, si vous êtes intéressé par leurs produits, vous savez que j'utilise grave la... C'est la toux que tu ne peux pas contrôler, qui arrive toujours à des moments où il faut pas genre tousser de ouf. Tu peux tousser une fois, deux fois, trois fois, mais pas trop non plus, parce que genre il y a un grand silence, il y a du monde. Et toi t'es prise d'une quinte de toux que tu peux pas stopper. C'est pas du tout parce que ça te gratte, c'est vraiment une toux spontanée qui... voilà.
Ouais, du coup, je vous disais, la CC crème de chez eux, elle est juste trop trop bien. Elle est très très. Elle peut être aussi, aussi couvrante que ce que vous avez envie. Voilà, en fait, selon la manière. Selon la manière dont vous allez l'appliquer, elle va être plus ou moins couvrante. Produits, maquillage, soins, etc., etc. J'ai testé un peu de tout chez eux et j'ai jamais été déçue. Franchement, j'ai jamais eu ne serait-ce qu'un bouton à la suite d'une utilisation de leurs produits, d'une nouveauté ou autre. Vraiment top. Donc voilà. Bon, là, ce que je suis en train de faire, c'est frotter avec des compresses, parce que j'ai que ça. Faut que j'achète des cotons. Et je peux pas faire autrement en fait, je suis obligée d'avoir un truc un petit peu j'ai envie de dire abrasif, qui frotte, qui a un petit grain. Et vous savez que les compresses, bah, elles sont tressées. Donc forcément il y a un petit effet grattant quand je le passe. Parce que j'utilise un eyeliner qui est censé accrocher les fossiles de chez Shein. J'ai plein de produits de chez Shein que j'aime beaucoup franchement et ça colle très très bien, franchement ça tient bien, je les ai mis tout à l'heure et ils m'ont pas quitté. Et les fossiles aussi viennent de chez AliExpress, AliExpress, oh, vous pouvez en trouver là-bas aussi, mais les miennes viennent de chez Shein. Il est juste ultra méga chiant à démaquiller. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre de chez eux? Ben, les fossiles qui sont très très bien. Après j'ai aussi une palette de maquillage, pas eu de problème non plus. J'ai l'anti-cerne fond de teint que j'ai pas encore testé parce que j'en ai plein qui sont ouverts, j'ai pas envie d'en ouvrir plein plein encore. Et qu'est-ce que j'ai utilisé encore de choses? Ah, la poudre à sourcils, elle est trop bien. Elle est pas chère et elle est trop bien. Elle est pas sèche. J'avais un problème avec celle de chez Anastasia Beverly Hills. Elle était, enfin, elle séchait beaucoup trop vite. Le truc, tu le payais assez cher quand même. Et au final, il ne durait pas de ouf. Je sais pas s'ils ont pas changé leur compo ou quoi, parce que je me rappelle que... Bon, la caméra s'est éteinte. Je crois que c'était un signe, ça voulait dire Basma va dormir. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve demain dans le vlog. Ciao. Elle est en train de brosser.